Au pied du mont Ventoux, à l'extrême sud-est de notre région, Buis-les-Baronnies, des adjoints et leur maire. Je déclare ouverte cette avant-dernière session du conseil municipal. Le conseil municipal est mensuel, le moment pour discuter des grands dossiers de la commune, des dossiers régulièrement portés par les adjoints au maire. Le maire, au départ, est responsable de tous les domaines. Comme il ne peut pas tout faire, il a des adjoints qui sont délégués et qui mènent leur vie tranquillement. Lorsqu'ils ont un problème, ils viennent voir le maire, ou je tranche, ou je conseille. Unanimité, merci. Ici, 5 adjoints au maire, un nombre fixé par la loi. Marc Perrossier est chargé de l'urbanisme, Gérard Jean des travaux, André Donzé des comptes, Brigitte Mertz des affaires sociales, et la première adjointe, Gilberte Brémond, s'occupe du commerce. Le maire et sa première adjointe forment un duo solide depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, direction l'Assemblée Générale des Commerçants de Buis. Madame Brémond, je vous en prie. Bonjour. La santé économique des commerces, une préoccupation pour cet élu. On reconduira peut-être ce système de carte de visibilité. Là, on discutait peut-être ensemble parce que à la Noël, ça s'est un peu essoufflé. Au cours des derniers mois, une décision importante à prendre. Fallait-il laisser les supérettes en centre-ville ou les autoriser à s'installer en périphérie? Après une étude approfondie, les élus ont tranché. Et on a pris la décision de les laisser où elles étaient, ce qui leur a posé des contraintes parce qu'il fallait qu'elles s'agrandissent. Mais on s'est rendu compte que si on les sortait du bourg-centre, on allait vider le cœur de Buis et notre tissu commercial est pour nous capital. Pour Gilberte, par manque de place, pas question d'occuper un bureau à la mairie. Les dossiers sont traités chez elle, jusque tard le soir, une lourde charge. Pour nous, non, c'est pas un problème parce qu'on a l'énergie, on a l'envie. Bon, il faut après que la famille suive et veuille bien accepter l'idée que, entre le travail et puis après la mairie, on part le matin. On sait à quelle heure on part, mais on sait pas trop à quelle heure on rentre. Je vous remercie. Vous avez fait du très bon boulot pour la commune de Buis-les-Baronnies. Merci. On vit plus peut-être entre adjoints qu'avec les membres de la famille. Comme dans tout groupe d'hommes, eh bien, il y a des moments où il y a des tensions. Mais je suis fier, c'est que pratiquement on les a toujours réglés, on est toujours autant amis qu'avant, et on a vécu une belle aventure, et je crois que c'est partagé. Chacun des 5 adjoints perçoit une indemnité, 560 euros par mois.